Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ces hommes noirs, Taïmada, chez notre aîné. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums du gore. Fabriqué à base de plantes naturelles. Une explosion de saveur. France, contactez-nous au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Deuxième partie, Critique Info. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de continuer à nous suivre. Je reviens sur la question de l'économie. Après, il faudrait en parler assez suffisamment parce que plus on n'en parle pas, certaines personnes pensent que les choses ne se font pas. Il faut quand même, à un moment donné, être en mesure de dire la vérité aux Congolais. C'est important de le dire. En plus, non seulement que c'est important, mais il faut recadrer certains trucs. C'est important. Je le dis et je vous donne des éléments. Dans un pays, lorsqu'un pays veut se développer, il y a une ligne de conduite que le pays prend. Généralement, ces lignes sont soit timides, soit courageuses. Lorsqu'elles sont courageuses, ça veut dire qu'elles sont portées par des très grandes réformes et le pays se développe. Elle est timide lorsqu'il y a des réformes qui sont bloquées par la mentalité du peuple ou la mentalité des gouvernants. Nous, nous nous retrouvons dans la première, dans la deuxième hypothèse, l'hypothèse où il y a une contrainte, il y a un groupe de gens habitués à voler, à tricher, à corrompre, à faire cela, et on a un système qui a été, qui porte en lui, excusez-moi, la rouille. Le système, il est tellement rouillé qu'il prend du temps pour accepter de l'huile à l'intérieur. Et donc, comme on ne sait pas où il est le système, comme on ne sait pas véritablement donner de la bonne impulsion à l'intérieur, l'on sent certains freins. On sent que ça ne prend pas, la machine, la mayonnaise ne prend pas vraiment. Parce qu'il y a un peu de la lourdeur. Mais cette lourdeur-là vient du fait que le système lui-même comporte déjà des vrais problèmes. Alors donc, suivre notre hypothèse, celle de détruire le système et de le refaire autrement. On l'a dit. Mais bon, il y en a qui pensent qu'on peut continuer avec le même système, ça reste un débat ouvert, mais il n'y a pas de problème. Mais au moins, les pas que les gens font, il faut parfois le reconnaître. Et là, nous revenons sur le retombé. Je le dis, on avait dit que c'est un débat. Le premier débat était le débat des recettes. Le deuxième débat est le débat maintenant de la canalisation et même des retombées. Vous entendrez les gens dire, mais bon, oui, mais le salaire va toujours aussi, ils ont changé. Je vous ai dit ici qu'entre la SNEL et la population, le courant ne passe pas. Ça, je vous avais dit. Mais maintenant, quand on revient un peu plus bas, et on essaie de regarder, dans un pays riche, comme le nôtre, nous on est un pays riche, on n'est pas un pays développé. Il y a une différence entre un pays riche et un pays développé. Et un pays avec un fort potentiel comme le nôtre encore. Il y a des ingrédients qui montrent que Obodo Kenina voit bien. Il y a des signaux qui montrent que Obodo Kenina voit bien. Et puis il y a des signaux qui montrent que Obodo stagne. Et puis il y a des signaux qui montrent que Obodo Kenina est beau que Moussikate. Et ça ne se voit pas dans le discours politique. Un pays ne se développe pas parce qu'il a un bon discours ou un pays ne se développe pas parce qu'il a un mauvais discours. Le pays se développe lorsque les mécanismes, les outils économiques, juridiques, sociétaux, ils ont des biens. Lorsque ces instruments-là ne sont pas en train d'être bien organisés, on voit qu'il y a des malades, ils allaient rater. Donc ce n'est pas des choses qu'on va raconter, mais plutôt des choses que l'on va voir sur terre. Prenons quelques cas. Il y a ici ce qu'on appelle, il y a trois éléments qui montrent que Bozo Kenina, un pays riche, Bozo Kenina moins bien. Il y a, premier élément, la redistribution des richesses, ça veut dire la capacité, il y a la richesse en beaucoup qu'on a bien, qu'on redistribue en beaucoup.
naba tout nyonso, naba secteur nyonso, naba organisation nyonso, afin que les gens profitent de votre avantage nabino. Le deuxième est d'aller ce qu'on appelle agrégat, mais on va plutôt parler de la stabilité économique. Or, la stabilité économique est un agrégat. La stabilité économique est un bilan qu'il faut au respect. Pour que ben dise que vous avez une stabilité économique, il y a des éléments où ils sont mis en prise en compte pour que tout est bien. Et puis il y a un autre point, c'est PNB, qui est différent de PIB. Parce que PIB est un produit intérieur brut. Ça veut dire richesse, il y a nationaux, il y a étrangers, il y a ce qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut. Et puis vous avez le PNB, ça veut dire le produit national brut. Ça veut dire la capacité, il y a congolais, ça veut dire nationaux, qu'on détenir capitaux ici au Congo, tout comme ailleurs. Et d'ailleurs, certains coins, même, il y en a certaines analyses qui disent qu'il faut qu'un tiers, il y a riche, il y a un beau Kawana, base à la nationaux, pour parler finalement d'une certaine puissance, il y a un beau Kanabino. Mais donc, vous voyez que, naba élément tout, Natangiwana, le Congo, nous n'avons que le premier élément. Que le premier élément sur la redistribution de richesses. Toujours, donc, ça, la moins bas effort côté Wana. Les deux autres éléments éthiques, aisément compliqués, Mouké. Ça veut dire stabilité économique, nous ne sommes pas encore stables, il faut le dire. On n'est pas encore assez stable et notre PNB ne peut pas être compris. On ne peut pas vraiment dire que nous avons un PNB à Yamalunga, on n'en a pas vraiment. Parce que l'essentiel de fortune où il y a riche, il y a un beau cannabisson, et ça va congolais, et ça va expatrier. Donc de ce côté-là, on a un petit souci. Mais côté à redistribution, il y a ressources, il y a richesse, on peut le voir. On peut le voir comment? Vous allez le voir, par exemple, que Bolobi qui a besoin 1 milliard de dollars, 1 milliard 5 de dollars au besoin car au mois d'avril. Et on va constater que c'est pratiquement la même période où il y a eu amélioration des salaires des gens. Vous voyez un peu? Ça veut dire que vous avez fait des recettes et vous redistribuez ça nabatou. Les enseignants qui avaient 100 dollars ont 130 dollars. Ceux qui avaient 80 dollars ont à la limite 110 ou 115 dollars. Voyez-vous, par exemple, 30 dollars, il y a salaire. Bon, quand tu as 30 dollars, tu as par exemple 3 dollars. Ou bon, quand tu as par exemple 10 dollars seulement. Ou 20 dollars, ce sont des petites améliorations. Oui, que ce qui est côté de la vie, il y a un ressenti changement. Vous voyez comment je gagne par exemple 1000 dollars. Exemple, si je gagne 1000 dollars et qu'à la fin du mois, je vais, mais on me donne 1300 dollars. On me dit non, mais c'est bon, maintenant tu as 1300. Vous voyez le 300 dollars là que j'ai, c'est des 300 dollars où il y a bien ma casse. J'avais par exemple 200 000 francs. Mais je vais comme ça, on me dit, non, au lieu d'avoir 200 000, tu auras maintenant 260 000. Le 60 000 dans une supplémentaire, voilà. Et bah, qu'est-ce que c'est que ça me permet de régler d'autres choses. Et ça me permet même de faire des épargnes. C'est quelque chose de fondamental. Mais maintenant, le coût que je vais recevoir, c'est le coût où il y a une stabilité économique. Et quand il y a un point, par exemple, il y a taux d'échange, il y a taux d'inflation, il y a taux de chômage, tout ça, toutes ces choses-là. Parce que supposons que j'ai gagné mon argent, 100 dollars, mais à la fin du mois, j'ai 130 dollars. Bon, bah, quand Singapour est à moins 3%, donc je reste avec peut-être 127 dollars, ça me permet quand même de survivre un peu. Mais quand je vais, par exemple, sur le marché, le lait qui coûtait autrefois 10 dollars, coûte 15 dollars, coûte 20 dollars, donc du coup, je ne peux peut-être pas sentir l'augmentation. Je ne le sens pas tout de suite, parce que j'avais 100 dollars avant. Et dans 100 dollars, on a un impôt sur mon revenu. Bando Katanga, par exemple, il y a 15%. Mais quand il y a 15%, quand il y a, par exemple, 3% seulement. Donc, il y a 3%. Quand il y a 30% de salaire, donc, comme on a 130 dollars, on a 127. Parce que, quand il y a un pourcentage, on a 127, 128 dollars, on peut permettre. Mais le coin, il y a un surmarché, il y a un circuit. Et ça, moins ma casse, c'est ça, moins kilo que le Kanigazaki avant. Donc, là où on achetait, par exemple, le lait à 10 dollars, la Koutiango, par exemple, à 15 dollars, au moins, il faut déranger un peu. Donc, il faut déranger un peu, mais il faut sentir une augmentation dans la salaire. Et là, on dirait qu'on a envie de Kanigazaki le bosso. Mais, attention, on a vu un mot l'heure. Ceux qui 30 dollars, on est à la quitter. Nous avons sentir un choc qui est à la parce que le 30 dollars, on a eu jugulé, augmentation de prix. Et bougeant au monde d'âme. Mais attention, il y a un élément important. Que le salaire est na marché. Et ça, parce que les Congolais, pour la plupart des cas, ils vont voyager à côté. Ils vont voyager à côté. Aujourd'hui, conjoncture, même en France, même en Angleterre, même en Europe, même en Paris, en Belgique, en États-Unis, ils sont tous les gens qui ont dit que les gens ont
Mais pourquoi pas dans le monde, mais le pouvoir d'achat dans le monde changer pendant ma cassité, au coup ma cassité. Parce que eux, ils ont réussi la stabilité à monnaie dans le monde. Bah, réussir stabilité à inflation dans le monde. Bah, réussir stabilité à. Il y a bateau dans bango. Ça veut dire que même ceux qui vont mati, mais il y a pas bon on a dans le monde l'icolo, mais au moment que on sentir penda choc qu'on a été. Mais chez nous comme on est assez faible côté wana, ce qui fait que même quand tu as 200 dollars aujourd'hui, tu vas consommer moins que dans les mêmes conditions mutazaki hier. Parce que les prix est kiti. Ah, est-ce que le prix est mati? Je sais pas si les gens comprennent technique wana. Non, c'est que par exemple aux États-Unis, mutando son balobi pardon son un litre d'essence là par exemple on a 2 dollars. Aujourd'hui, il achète par exemple à 3 dollars, hein, les exemples. À 5 euros, par exemple, il y a 1,5. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, on a 2,2, 2,3, ou même 2 points. C'est-à-dire, Mati. Vous voyez? Et aujourd'hui, on dit, mais non, 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 la vie est trop chère, la vie est trop chère. Ils disent là, ça aussi, la vie est trop chère, la vie est trop chère. Donc, ce sont des petits agrégats qu'un État doit mettre véritablement en place pour conjuguer le qu'on a bien. Ce qu'on a la stabilité économique, on a agrégat, on a. Stabilité économique au bichot, oh pardon, oh, dans l'agrégat économique, oh bichot, je parlais de trois agrégats, dans le bilan, il y a taux d'échange, dans le bilan, il y a taux d'inflation, dans le bilan, il y a taux de chômage. Naba, oh, nous sommes toujours réussir jusque-là, sous réserve, bah, grands économistes, bien évidemment, toujours réussir qu'à taux d'échange, qu'à quand même, qu'on stabilise au moins mouquet. Mais stabilisation, dans le bichot, taux d'échange, dans le bichot, il faut le dire quand même, tu récupères au moins l'icolo. Mais on pouvait faire mieux. Mais là, quand même, on va dire qu'on a quand même fait des efforts pour le maîtriser. Mais ce que nous n'arrivons pas jusque-là à maîtriser, c'est le taux d'inflation. Ce que nous n'arrivons pas jusque-là à maîtriser, c'est le taux de chômage. Et le taux de chômage et le taux d'inflation, ce sont des choses que nous n'avons pas encore maîtrisées. Or, pour maîtriser le taux de change, pour maîtriser le taux d'inflation, pour maîtriser le taux de change, taux d'inflation, taux de chômage, j'estime qu'à un moment donné, il faut discuter avec les grands. Les économistes de notre pays, on les a, Bazali. Le prof Mabi, Bazali, le prof Bakandeja, Bazali. Des grands, en tout cas, bah, Godempoy, Bazali. Je parle des grands. Ceux qui connaissent ça, la matière. Comment on appelle encore? Docteur Tiani, Bazali. Parfois, il faut faire des cafés économiques avec ces grands esprits. Vous les appelez parce que c'est les meilleurs de notre pays. Une société se développe quand elle consomme l'intelligence de ses génies. Vous les appelez, vous dites, bon, maintenant, voici que nous avons un problème. Comment on fait pour résoudre ça? Ils vont vous dire, non, monsieur le président, t'as la token, t'as la plein bien, go. C'est pas à Boussembe de dire comment on va faire. Parce que, en réalité, ici, nous sommes en train d'entrer dans les eaux profondes, il y a économie. Et quand on s'approche d'un eau profonde d'économie, il faut avoir des équipements pour ça. Et moi, je ne suis pas outillé pour ça. Je ne suis vraiment pas outillé pour la profondeur. Je peux à la limite me limiter dans la surface, dans la deuxième profondeur, mais je ne saurais pas aller en la profondeur parce que ce n'est pas dans ma discipline. Nous sommes continuellement dans le monde trop, mais charlatan, ce que je veux charlatan est bandarawana. Tant que au lignon qui est de Tina Souka, bon, on dit qu'il ceinture, non, elle même pour rien. Alors, moi, je ne peux pas aller jusqu'à ce niveau, mais au moins, on sait que, à l'Urdo, qui est de Togu, qu'on changeait en haut. Et puis, il y a là, le PNB. Le PNB, qui est le produit national brut, qui finalement revient à dire que, bah, détenteur, il y a capitaux à miner. Et là, bah, Congolais, Nabino, et là, au bas, dans le pays, là, au bas, dans l'étranger. Mais ça dépend que nous, mais ça nous demande à nous de les construire maintenant. Et quand tu as effectivement, un milliard on a par mois, si vous en avez, vous pouvez avoir autant de milliards d'argent si vous réalisez très bien des finances comme ça. Vous pouvez maintenant permettre à ce que vous avez une réserve, vous avez une longa, et la réserve va permettre d'orienter un bon dans la place, vous créez une banque agricole pour permettre à tous les agriculteurs, à toutes nos jeunes filles, à tous nos jeunes garçons de venir prendre un peu de moyens sur ça, et ça nous aide. Voyez-vous, quand vous avez une banque agricole, quand vous avez une banque pour la start-up, quand vous avez une banque pour la PME, quand vous avez une banque pour la biloka mike 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 mike, quand les gens viennent vers vous avoir un peu de moyens, et qu'on réfère yango, vous créez la richesse. Et quand vous créez la richesse, ça veut dire que vous créez des riches. Vous créez des riches, vous créez des millionnaires, vous créez des milliardaires, et vous renforcez votre PNB.
Et en ce moment-là, dans 5 ans, 6 ans, l'économie congolaise reviendra entre les mains des Congolais eux-mêmes. Parce que Bangoune, pour investir dans le secteur, il y a un hôtel, pour investir dans le secteur, il y a un restaurant, pour investir dans le secteur à transport, pour investir dans le secteur agricole, pour investir dans le secteur à pêche, ils vont investir dans tous les secteurs et après, on va arrêter un peu de nous parler des Kouachkrunk, des Yushnerchink, na Hassan, na Okiliko. On en a assez d'entendre ce nom dans notre pays. Et bizarrement, ces noms sont attachés avec l'argent. Quand on parle d'argent, ce nom-là, Bazawana. Quand on parle de projet Mboka, Bango Bazawana. Comment vous pouvez laisser à un étranger, Yenda Pesa, gouvernement Nabino, Bamituka? Comment vous imaginez un truc pareil? Comment vous donnez le marché à Mituka? Comment vous arrivez à le faire? Bon, et ça, Nabino Néni. Donc, tous les Congolais qui sont dans les véhicules ici, ma grand frère Nanga, Bamboyo, Ntole, tout ça, ces gens-là, ne font pas de bons boulots. Mais vous allez donner ça à une entreprise appartenant à un étranger, celui qui va vous apporter des véhicules. Non! L'État peut dire, Namakambaba, concessionnaire à Mituka, va Congolais, Bazate, Bazali. Ok, cher Congolais, c'est vous qui allez avoir le marché, il y a ma Jeep, il y a ma député. C'est vous qui allez avoir le marché, il y a ma Jeep, il y a enseignant. C'est vous qui allez avoir le marché, il y a ma Jeep, il y a magistrat. C'est vous qui allez avoir le marché, il y a ma Jeep, il y a militaire. Nous voulons donner le marché à ma tenue Nabisso. On regarde les femmes congolaises. Il y a des couturières, non? Oui, ok. Chères femmes, c'est vous qui allez importer ma tenue Nabisso à ma militaire et bon, Togongo sur place. Ah. Mais c'est comme ça qu'on crée des richesses chez vous. Mais vous, vous êtes encore dans la logique, qu'on peut s'en aller à Libye, qu'on peut s'en aller à Pakistanais, qu'on peut s'en aller à Tonali, parce que vous en avez besoin de retour après. Alors ça ne va pas. Quand les opérations retour prennent l'ascendance sur l'opération, il y a patriotisme et un mot qu'on a mis, non? Rien ne va marcher. Rien ne va marcher. J'estime que nous pouvons créer de la richesse dans Burkina Faso si seulement nous avons un peu d'intelligence, un peu de patriotisme, mais beaucoup de volonté. J'estime que l'on peut faire bien, bien si l'on veut. Voilà un peu ce que je voulais véritablement dire aujourd'hui. Actualité, le parti politique de Matata Mponyo vient de voir le jour. LGD. Son nouveau parti politique, le leadership de la gouvernance, quelque chose comme ça, je pense. Donc, Matata Mponyo, il faut déjà compter sur son parti. Le dossier de 1,422,658 intitulé « Frais de manutention et autres » ne laisse aucun doute. 920 000 dollars de primes d'un marché groupé de tournée à la chaîne de la dépense Africa News en parle. Ensemble pour contrer l'intox, aucun doute. La société civile, renchérie par le Bishop Djamba, nous soutenons le gouvernement dans l'accord RDC-Ventura. Relations entre l'INPP et ses partenaires vont plutôt de mieux en mieux. Le maximum foudre délirante sur Alinguette et l'IGF lèse le fonds de commerce sécuritaire, mais fait comme ça. Et qu'est-ce que je vous avais dit? Cette affaire va s'éteindre comme ça. Le député qui voulait un peu faire le 1 et puis après il s'est arrêté. Il ne sait pas où aller, donc c'est bizarre. C'est le seul secteur qui réussit dans le domaine, dans la présidence des Fatshi, dans la gouvernance des Fatshi. C'est le seul secteur qui réussit. C'est le seul secteur. C'est grâce aux efforts des inspecteurs qui sont dans chaque poste, qui sont dans chaque coin, en train de travailler matin, midi, soir, pour empêcher les prédateurs de travailler, que nous avons des ressources, que nous avons des résultats comme ça. Que nous avons des résultats comme ça. Imaginons qu'on n'ait pas les inspecteurs dans nos offices. On n'aurait pas ces résultats. Ça serait la récréation. Ça serait la dilapidation de ressources. Ça serait la gabegie financière consacrée. Mais il fallait mettre fin à cette histoire. Et la l'une de méthodes la plus efficace, c'était le contrôle concomitant. Ça veut dire le contrôle immédiat, le contrôle de gestion directe, le contrôle perpétuel. On dit, ton pied, mon pied, tu veux acheter ça, pourquoi? Non, canalisons par contre par là. Il y a encore des gens qui sont impayés. Payons d'abord les gens avant de faire ceci. Entretenons l'outil. Parce que ce qui détruit le Congo, c'est que le Congo, comme je le dis, messieurs et dames, on peut faire l'échange avec l'Amérique. L'Amérique nous donne l'Amérique, nous nous donnons à l'Amérique le Congo. Je suis très convaincu que 5 ans plus tard, on demandera les visas. Parce que le mal congolais, c'est le mal de l'entretien. Le Congolais ne sait pas entretenir l'outil. Et vous allez le voir dans les petites organisations. Le Congolais, lui, il aime manger, il aime profiter, mais il ne regarde pas le matériel. Ils sont fous que le matériel se détériore.
C'est pas son affaire. C'est pas son affaire. Le Congolais est irresponsable. Regardez le chauffeur quand vous le prenez. Le chauffeur, comment il conduit les véhicules des gens. Parce qu'il sait que c'est pas son véhicule. Il peut aller avec ça dans ma boule ou dans la lingueta, les amoutoukanaïta. Le Congolais n'a pas la culture de conservation, il n'a pas la culture de la maintenance. Il ne maintient pas. Ils ont pris Miba, ils l'ont totalement détruit. Ils ont pris Jekamine, ils l'ont laminé. Tout ce qu'ils touchent, ils détruisent. Des structures, quand on leur donne, et dans la structure, on viable. Mais tant que Simbi, en gestion, c'est chaotique. C'est une gestion qui ne vise que la jouissance. Manger, boire, faire des dépenses. Yo mutade je Camille autant pour avoir un jet privé et faire le plaisir autant mon jet dans bonne entreprise mais alors que l'entreprise a des outils qu'il faut refaire qu'on ne sait pas refaire. Vous allez aller dans des entreprises comme ça tu ni tuyo et beba mais autant vie il y a DG motali matériel oui mais c'est pas ces gens sont des sorciers. Comment lui peut gagner autant d'argent mais l'outil qui fait qu'on a bon à réparer en côté c'est dans la tête vous en faites pas c'est là c'est dans la tête. Ça se passe ici. Nous n'avons pas cette notion d'arranger les choses. On n'a pas cette notion d'entretenir les choses. Et c'est comme ça. Maintenant, quand vous avez des gens comme les inspecteurs des finances, quand ils viennent chez vous, ils disent non, non, non. Pourquoi vous voulez acheter des rideaux? Pourquoi vous voulez acheter des véhicules pour les agents? Non, non, les agents n'ont pas besoin de véhicules pour l'instant. Ce dont les agents ont besoin, c'est de l'outil. Donc, canaliser l'argent, la réparation, bah, outil. Ah, il veut tout faire. Il est tout, il est partout. Ah, il est partout, mais il faut qu'il soit partout. Jean Gouba l'avait chanté. Et je n'ai pas une très belle voix, mais je peux quand même le faire. Mbongo ya l'État, ya yote. Mbongo ya l'État, ya libengana yote. C'est Jean Gouba qui a chanté cette chanson. L'argent de l'État, ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta poche. Tu ne peux pas décider d'utiliser l'argent de l'État comme tu le veux. Non, l'argent de l'État, c'est l'État. C'est à l'État. Donc, quand un inspecteur te dit, monsieur, au lieu de dépenser l'argent dans l'achat de véhicules pour le confort des agents, utilise cet argent pour le confort de l'outil. Parce que quand l'outil va être important, va être bien fait, va être huilé, il sera vraiment bien fait, vous aurez deux fois plus que ce que vous faites entrer. Donc, concentrons-nous par l'argent. C'est tout le problème, Ibn Arawana. Donc, voilà un peu comment les gens font deux choses. Henri Yave et son fils devant le juge ce lundi, affaire Mointe Jet. C'est le Congo Nouveau qui en parle. Présidentiel 2023, Matata candidat. Dans la loi électorale, il faut demander. Moi, je pense que pour être candidat président de la République, il faut que votre parti soit viable et que votre parti ne soit pas enregistré à l'aube des élections. Surtout pas au niveau présidentiel. Vous pouvez peut-être être au niveau législatif, on peut comprendre, mais pas président. Il faut que le parti ne soit pas créé à l'aube, à la veille, pardon, des élections. C'est de un. De deux, il ne faut pas que le parti que vous avez soit un parti régional ou un parti seulement d'un coin. Il faut que la représentativité, comme le veut la Constitution, ait vraiment quelque chose de palpable, que l'on voit votre parti au moins dans les 26 provinces. Si déjà vous êtes à 20 provinces, on peut comprendre. Mais il faut aussi voir la viabilité de ces partis pour que nous n'ayons pas des partis mallettes. On doit véritablement avoir des partis idéologiques que l'on sache exactement comment ça se passe. Moi, je suis très ouvert, mais je suis généralement républicain. Moi, je suis républicain, je ne suis pas démocrate, malheureusement. Je suis du côté républicain. Parce que j'estime que il y a des choses à faire. Denis Kadima affirme que le résultat des élections de 2023 seront publiés bureau par bureau. La transparence sera garantie et les résultats seront traçables. Voilà la différence entre la Kabylie et ce qui est aujourd'hui. La Kabylie, c'était quoi? C'était... Il n'y a jamais eu de contradiction entre la CENI de l'époque et le gouvernement. Il n'y en a jamais eu. Tout ce que la CENI disait, le gouvernement l'acceptait. Tout ce que le gouvernement disait, la CENI gobait. Et on se retrouve dans une posture où tout ce que... On se disait, mais qui est le porte-parole de qui? Est-ce que le gouvernement, c'est le porte-parole de la CENI ou la CENI, c'est le porte-parole du gouvernement? On ne savait pas. Mais aujourd'hui, vous avez quand même des débats qui, autrefois, ne pouvaient pas avoir lieu. Le premier débat sur la cartographie, soyez sérieux et dites-nous la vérité. Est-ce qu'en 2006, en 2011, on a eu ce débat sur la cartographie? Est-ce que le débat avait été autant médiatisé comme aujourd'hui? Où tous les acteurs politiques sont appelés en disant non, non, il faut qu'on change la cartographie.
faut que l'on puisse revoir ça. Parce que comment voulez-vous que dans certains coins de la République, Batoubane qu'on vote, attendez Bitumba. Donc maintenant, qui m'a raté? Bitumba pena babomaki batoubane, place au babomaki batoubane, place au babote, belé collègue. Banane va nous voter, bah fantôme, tout batouka le quoi. Alors on a dit non, non, il faut corriger ça. Comment depuis 2006, Tilelo, c'est le même fichier. Yon basse, j'ai quitté raté, m'a raté, m'a déplacé raté, m'a bouge raté. Alors il y avait un souci. Donc il fallait corriger ce côté-là. Et on a apporté le débat sur la cartographie. Un autre débat arrive sur le débat de la transparence. Les députés, les sénateurs, M. Mozito, M. Fayoulou, le FCC, ont tous demandé que Baba publie bureau par bureau. Aujourd'hui, avant même d'aller aux élections, avant même que l'on publie les calendriers, la CENI vous dit déjà que le résultat que vous allez publier bureau par bureau. Bon, alors, dites-moi maintenant, beaucoup continuez que découvre ça l'opposition sur les Kamboboué, Nengenin. C'est pourquoi on a l'opposition, les lobes, la difficulté, il y a un candidat dans l'Ibanda. Vous voyez, même la communauté internationale, toutes les autres organisations internationales ont du mal à suivre l'opposition aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que tout ce que l'opposition demande, le pouvoir qui est là, le fait, d'une manière ou d'une autre. Vous voulez le consensus, on vous dit non, respectez la charte tout simplement. Vous respectez la charte, on y va. Non, le consensus, non, 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 la charte est là, la charte est claire. Allons-y avec la charte. On ne peut pas aller continuer à résoudre le problème en dehors des cadres réglementaires. Non. Dans un état civilisé, les problèmes sont réglés dans un cadre réglementaire. Vous arrivez à sortir du cadre, à trouver des compromis si le cadre réglementaire est défaillant. Mais ici, vous avez un cadre réglementaire percutant qui vous dit des choses assez claires et qui vous propose même des solutions. Donc, vous ne pouvez pas sortir de ce cadre-là. À la limite, ce n'est pas possible. Voyez-vous, à la limite, ce n'est pas donc possible. Alors, restons dans le cadre. Dans les cadres réglementaires. Que dit la charte? La charte dit pam, 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 pam. Ok. Est-ce que ça a été observé comme ça? Oui. États-Unis dit ok. Toutes les autres fondations relatives aux élections et tout disent bah, en tout cas, la charte est claire sur la question. Bon, pourquoi eux cherchent des compromis en dehors de ça? C'est que ce sont eux qui ont des mauvaises idées. Parce que si vous avez vraiment des bonnes idées, vous allez rester dans la loi. Si vous êtes réellement des légalistes, vous restez dans la loi. Un chrétien, parce qu'on parle des confessions religieuses, parlons-en. Comment est-ce qu'un chrétien peut aller chercher des compromis en dehors de la Bible? Non. Le chrétien ne cherche pas des compromis en dehors de la Bible. Ce que la Bible a dit, les chrétiens vont le suivre. Alors, de la même manière, les légalistes ne partent pas chercher les compromis en dehors de la loi. Lorsque la loi dit ça, on y va dans ce que la loi dit. Et si on n'est pas d'accord avec la loi, nous proposons prochainement pour changer cette loi-là. Et c'est ça la mentalité de beaucoup qui n'ont pas compris ces choses-là. Et la CENI nous a prouvé à suffisance que l'intérêt au travail pour le pouvoir t'est. Vous avez vu, pour la première fois, la CENI et le gouvernement étaient à couteau tiré. Et vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais à l'extérieur, ça a été perçu comme un signe de démocratie. À l'extérieur, en tout cas. Oh, oui, oui, oui. Les autres, l'étranger, mais ils ont pris ça comme ça, ils ont dit, mais ah bon? Pour la première fois, en 2006, ce que disait la CENI, disait le gouvernement. En 2011, ce que disait la CENI, disait le gouvernement. En 2018, ce que disait la CENI, disait le gouvernement. Mais comment maintenant, ce que dit la CENI n'est pas ce que dit le gouvernement? Et ce que dit le gouvernement n'est pas ce que dit la CENI? C'est bien. Donc, ça va maintenant comme ça. Et l'opposition dit, nous voulons publication bureau par bureau. La CENI vous dit en avance, oui, on fera bureau par bureau. Ben, c'est fini, le débat est clos. Et c'est ça. À l'extérieur, quand on regarde, on dit, il y a un président qui comprend les enjeux démocratiques, les aléas même de la démocratie. Donc, il faut le reconnaître. Moi, je tire les chapeaux au président Kadima, coup de chapeau en tout cas. Monsieur le président, allez-y comme ça, n'aidez pas ceux qui ne sont pas, j'allais dire un truc, n'aidez pas ceux qui ne sont pas aidables. Mais ça ne se dit pas. Il ne faut pas aider ceux qui ne sont pas susceptibles d'être aidés. Et c'est pourquoi je dis aux gens, aux partis politiques, bah, le parti au pouvoir, quand je dis les partis au pouvoir, et surtout les gens de l'Union sacrée, ne comptez pas sur la CENI actuelle. Ne pensez pas que la CENI va vous aider à vous donner du poids comme on l'avait fait à l'époque où on donnait la majorité à un homme. Oubliez ça. À la CENI, il y a des gens qui se battent pour leurs crédits internationaux. Ce n'est pas comme des gens que vous avez pris ici, qui n'avaient pas qui n'avaient vraiment pas de grandes ambitions à l'extérieur, qui n'avaient pas de référence à l'international. Non. Ici, vous avez un monsieur comme Kadima qui a travaillé dans toutes les structures internationales. Il a toute sa vie dans les organisations internationales.
C'est un monsieur qui connaît le sens de l'honneur. Il connaît le sens du crédit. Il a ce sens-là. Donc, si un monsieur pareil, vous pensez qu'il va vous aider à embobiner bateau, ça va être très difficile parce qu'il ne peut pas perdre tout ce qu'il a construit comme notoriété, comme réputation, juste pour le pouvoir. Je ne le vois pas faire ça. Et puis, il y a un autre qui est, je crois, il est saine, il est secrétaire exécutif, tout ça. En lisant son cursus, mais le gars a brillé dans les banques, dans le système de sécurité des banques à l'étranger. C'est pas un petit garçon que l'on va amener par-ci, par-là. Les gens oublient que ce même Toto-là qui a aidé la gouvernance Yafayulu et la gouvernance Yafati à l'époque, ils oublient ça. C'était leur consultant à l'époque, Penza. C'est lui qu'on appelait. Donc, ce n'est pas des mendiants, ce n'est pas des gens qui n'ont pas d'argent, non. Et puis, en plus, c'est des jeunes gens. Hein, monsieur comme Toto, qu'est-ce qu'il va venir foutre en foutant les bazars dans son nom? Il ne peut pas. Parce qu'il a une longue vie devant lui. Les élections ne sont là que pour 5 ans. Donc, le gars sait qu'il y a des choses que je ne peux pas faire maintenant. Donc, si vous comptez sur des gens comme ça, pour qu'il va tricher les binots, pas parce que les binots, député, Bozomi Kosa énormément. Ils sont liés par plus important que ce qui se passe ici. Ce n'est pas des garçons, ce n'est pas des gens qui regardent le pouvoir. Hein. Il est aux États-Unis, il vit aux États-Unis, ce n'est pas un clochard, il est dans des grandes structures américaines. J'interpelle l'Union sacrée. Ne comptez pas sur la tricherie. L'Union sacrée, ne comptez pas sur la tricherie. Elle risque de ne pas avoir lieu. Travaillez, améliorez les bilans. Co-organisez les choses. Aidez le chef de l'État à remporter les élections. L'opposant numéro un du président de la République sera la qualité de son bilan. C'est lui l'opposant à Kassiyewana. Parce que lorsque le chef de l'État va aller, il va aller parler aux chômeurs, il va aller parler aux gens qui ont perdu le membre de la famille parce que le système médical était précaire, il va aller parler aux gens qui n'ont pas de route, aux gens qui n'ont jamais vu la modernité, il va aller parler devant les gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau, ainsi de suite. On ne vous demande pas de tout régler, mais on vous demande de faire les nécessaires pour permettre aux gens d'avoir une raison de voter pour vous. C'est bien de dire que vous aimez le président. Mais c'est mieux de l'aider à être réélu, et bien réélu. Que la peur quitte nos esprits, et que Dieu bénisse la RDC. Une fois de l'histoire de ce pays, au moins pour une fois de l'histoire de ce pays, les finances se portent mieux. Maintenant, puisque c'est dit ainsi, la canalisation de cet argent est une autre affaire, est une autre démarche, que nous appelons et nous interpellons l'autorité à bien canaliser cet argent-là. Parce qu'il ne suffit pas de faire des recettes, encore qu'il faut bien les canaliser pour qu'elles profitent, finalement, ces recettes-là, au développement, à la richesse, et ainsi de suite. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuez aux hommes, ces hommes noirs, d'Aïmada, Chino, Loye Molonde Nelalisa.